nouvelle vidéo à 3, ouais. Comme vous pouvez le constater, pour un Disney Tag. Donc on a pris les questions du Disney Tag et puis on va y répondre toutes les deux aujourd'hui. Parce que Fleur vient de me dire, mais tu te rends compte, on n'a pas encore fait le Disney Tag. Le Disney Tag. Guten Tag, Disney Tag. Petite référence à l'accent tag. Ouh. Qui sera en barre d'info. Où il n'y avait pas l'accent allemand, mais bref. C'est parti. Bon bah allez, c'est parti. Oui chef. Allez, c'est parti. C'était la pire intro de l'histoire des intros. Alors la première question, c'est quel est ton Disney favori? Je réponds pour moi ou je réponds pour toi? Je sais pas. Non, on répond pour ça. Ouais. Moi c'est la petite sirène. Moi c'est les Aristochats, je crois. Ouais. Pourquoi les Aristochats? Parce qu'il est trop mignon et ouais, j'adore Marie. Et on voit vraiment les coups de dessin. Enfin, c'est un des plus vieux Disney que je préfère. Et d'ailleurs, si vous faites attention, on voit qu'à l'époque, on avait de la patience. Parce que les vieux Disney, vous avez le générique de... avec tous les noms des acteurs, des voix au et début. Tout au début. Alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, on regarde plus. Et donc toi, pourquoi la petite sirène? Parce que quand j'étais petite, je voulais être une sirène. Oh, mais tu es une sirène. Oh, coup d'oreille. Et puis, j'aime trop tout ce qui se passe dans l'eau, avec les poissons et tout. D'ailleurs, j'ai été à l'expo, là, comment elle s'appelle? Le mouvement par nature, et ils expliquent que dans La Petite Sirène, ça a été un vrai challenge, parce qu'elle est tout le temps dans l'eau, justement, et il y a les cheveux qui bougent et tout. Ouais. Voilà. Elle est bien, cette expo, d'ailleurs. Alors, deuxième question, quelle scène de Disney aurais-tu voulu vivre? Je pense qu'il y a plein de gens qui spontanément vont dire la scène de réponse, là, avec toutes les lanternes, qui est magnifique. Ouais. Il y a aussi, et je crois que c'est vraiment, enfin pour le coup, ma réponse, oui c'est mon dernier choix, c'est, mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est dans Fantasia, c'est la scène... Oh, c'est horrible Fantasia. Mais non c'est pas horrible, ah, c'est magnifique. Ça fait peur. Il y a des passages qui font super peur, c'est vrai, mais il y a des passages qui sont magnifiques avec les, comment ça s'appelle, les centaures, oui c'est ça. Mais si, il y a Pégase, et il y a tous les bébés Pégase, et il y a les sirènes, mais oui. Ah ouais. Et voilà, cette scène est absolument magnifique là avec les sirènes et tout. Il va falloir qu'on regarde Fantasia après cette vidéo. Ouais, moi ça m'a... je l'ai vu qu'une fois et ça m'a fait peur. Il y a plein de choses qui font peur, mais cette scène là est absolument magnifique. Et toi alors? Et bien on va rester dans les sirènes. Dans les sirènes. Dans les sirènes. Dans les sirènes, parce que moi j'aurais voulu aller au lagon comme Peter Pan avec Wendy. C'est vrai que c'est une très belle scène aussi. Ah ouais. Bon, elles sont pas si gentilles que ça, les sirènes. Mais attends, je me suis embrouillée. Je crois que justement, il y a les sirènes du lagon et je les ai mis dans Fantasia. Dans Fantasia, c'est juste les centaures et les... Il n'y a pas de sirènes dans Fantasia. C'est juste... Merci à voir. Troisième question, c'est un moment inoubliable que tu as passé dans Disneyland Paris. C'est dur, hein. Ouais. J'avoue, c'est dur comme question. Après... moi j'ai un moment inoubliable, mais pas parce que c'était féerique ou quoi. La première fois que je suis allée à Disney avec ma maman, je sais pas si je te l'avais pas dit. Non, je crois pas. Je devais avoir 3 ans ou 4 ans, donc j'étais toute petite. Il pleuvait et forcément on avait voulu faire un maximum de choses, donc on s'était levé à 5h le matin, on avait pris le train et tout. Et le soir on dormait à l'hôtel Disney, enfin pas à l'hôtel Disney mais dans des hôtels au New York je crois. Il est bien taré. Qui était très bien. Et j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie véritablement la tête dans mon assiette. Ah si, tu m'avais dit en fait. Donc voilà, c'est inoubliable mais pas... C'est mignon quoi. Voilà. Le souvenir qui m'a le plus marqué à Disneyland, en fait il y en a deux, je pense que c'est la première fois que j'ai été assez grande pour me souvenir d'avoir vu Noël à Disney. C'est genre j'en ai pris plein les yeux, je sais pas quel âge j'avais, enfin j'étais assez vieille parce que les fois d'avant j'étais trop petite pour m'en souvenir, donc je pense que j'étais majeure. Mais c'était magnifique. Et la première fois que j'ai vu le Dream aussi, genre j'étais sur les fesses. Ouais. Je m'en suis pris un... Genre je me dis mais ils font ça tous les soirs? Ouais. Ah c'est un truc de... Ouais le Dream c'est vrai. Voilà. Quatrième question, si tu devais être un prince, lequel serais-tu? Aucune idée. Attends, je suis en train de revoir les princes. Évidemment, on s'est toutes posé la question de savoir quelle princesse on saurait. Oui, mais les princes, on s'en fout, quoi. Mais les princes, on s'en fout. Peut-être Aladdin. Ouais, je tu pensais à Aladdin aussi? Parce qu'il est simple, et il est fun, il est sympa, il peut exaucer des vœux. Et ouais, voilà. C'est pas genre...
Voilà. Faut dire que les princes, on les... Enfin, Aladdin, si, ouais, mais souvent, on les voit pas beaucoup. Hein. C'est vrai. J'en regarde le prince dans Cendrillon. Il danse, ouais, c'est tout. Il ramasse sa chaussure. Mmh. Ça sert à rien. En fait, les mecs, ça sert à rien. Oh, la vidéo féministe. Ah, si vous êtes un garçon et que vous regardez cette vidéo, déjà, désolé, mais en plus... Faites-vous connaître, faites dans un petit coucou et tout, parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de filles qui nous suivent respectivement sur nos chaînes YouTube, et c'est hyper intéressant de savoir s'il y a aussi des garçons. Comme ça, on pourrait dire coucou les garçons. Voilà. Salut les filles et les garçons. Je serais ravie, je pense. Donc Aladdin aussi. Ouais, Aladdin aussi. Désolée pour le bruit, hein, c'est des travaux à la maison, je sais pas si vous entendez. Et du coup, quelle princesse rêverais-tu d'être? Ariel. Ouais. Ariel. Attends, ça demande réflexion. Ouais, bah ouais. Je pense que celle qui a la plus belle histoire, c'est Cendrillon. Ouais, mais elle vit quand même une vie au début compliquée. Oh. Ouais, Cendrillon ou Ariel. Moi j'aurais pu dire Cendrillon aussi. Ils ont toutes des histoires compliquées quand ils pensent. Genre l'autre qui est resté endormi pendant je sais pas combien de temps dans sa tourelle, l'autre qui est resté enfermé dans sa tourelle, qui a dû grimper sur ses cheveux, tout ça. Non mais. Hein, c'est pas. Ouais, et l'autre qui s'est fait transformer en grenouille. Il y en a pas une qui a une vie plutôt cool. Jasmine. Ouais, Jasmine, ça va pas mal. Elle s'est juste fait enfermer dans un sablier. Bon, bah non plus. Allez, moi je suis Aladdin et Jasmine. En revanche, je pense que celle qui me correspond mieux du coup. Ah bah attends, c'est la question qui suit après. Ah, pardon. J'anticipe. À quel personnage ressembles-tu? Dans les princesses, je pense que c'est Belle. Parce que toujours dans un bouquin, toujours avec cucu les petits oiseaux, en train de regarder ce qui se passe. Et... Voilà, je pense que ça serait Belle. La princesse à qui je pourrais ressembler, je pense que c'est Réponse, parce qu'elle est complètement tête en l'air, elle marche sur ses cheveux, enfin bref, voilà. Toi, tête en l'air? Oh, non. Si peu. Maladroite? Non. Si peu, voilà. Je crois que j'ai confirmation. Monsieur Bouche. Ah oui. Mouche, pas pour des bouches. Mes bouches, c'est moi, pas pour demain. C'est dans le film. On est parti à tanguer les gens. Je fais tout le temps ça. On va vous donner mal de merde tout à l'heure. C'est Monsieur Mouche qui m'a inspiré. Ah bah oui, c'est ça. Si tu pouvais choisir un personnage pour être ton ami, lequel serait-il? Tu veux être mon ami? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un dans mon radiateur. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un dans mon radiateur. C'est bon, non, c'est pas bon. J'allais dire Polochon, mais vous allez penser que j'ai une obsession avec la petite sirène. Olaf. Sans doute. Olaf, il est tellement mignon. C'est vrai. Moi, ouais, j'aurais dit Baymax. Non, je connais pas. Ouais, c'est hyper récent. En fait, ça m'est venu d'un coup, et d'habitude, j'ai que des références au vieux Disney. Mais là, genre, vous savez, c'est le bibin d'homme blanc qui vous fait des câlins. Mais c'est dans les nouveaux monstres là que c'est... Non. Ça, je sais pas, j'ai pas trop aimé le dessin animé. Ouais. C'est juste que sur le coup, je me suis dit, ah, il a l'air cool. Pumba. Trop. Ouais, voilà. Définitivement. Alors, une scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Salut. Bah oui, moi aussi. Bah, c'est le royaume quand il meurt. Ah ouais? Ah non, ouais, je peux plus regarder, hein. J'ai dû le regarder une fois ou deux quand j'étais petite. Je suis sûre que j'ai jamais regardé, enfin si, j'ai dû regarder en entier, mais à l'heure actuelle, du haut de mes 27 ans, je refuse de le regarder, parce que c'est trop dur. Voilà. Et toi? Moi c'est... La petite sirène. Quand elle perd ses pieds. J'ai failli mourir. non, moi c'est une scène de Rex et Rookie. Ah ouais, quand la mamie abandonne son renard. Je sais jamais qui est Rox et qui est... Bah si, Rookie. Bah ouais. Oui, mais à chaque fois il faut que je me pose la question. Oui, pourquoi Rookie? Ouais, quand la grand-mère abandonne Rookie dans la forêt, mais c'est horrible. Puis alors il y a la musique qui va bien. Bah toujours. Fois. Bah Bambi, on en parle. Ouais. Bambi, c'est pareil, j'ai jamais pu le regarder. Hein. C'est horrible. Bah j'ai jamais vu, ils l'ont passé dans les cinémas il y a pas si longtemps, je suis allée le voir, mais... Enfin le re-regarder parce qu'il a fait une fois quand même. J'étais trop petite. Si, il y a une autre scène aussi dans Bernard et Bianca. Ah oui, oh quand, mon quand dieu. Quand la petite est à la fenêtre là et qu'elle chante Petite Sœur. Ouais. Oh, ouais. C'est horrible. Mais en fait, dans tous les Disney, il y a des scènes horribles quasiment. Ouais. Lis le
Lilo et Stitch parce que quand j'étais plus petite, ma grand-mère avait perdu des bijoux à la maison. Et comme je les avais retrouvés, elle m'avait fait en cadeau une cassette, celle de Lilo et Stitch. Et que j'ai regardé tellement, que j'ai tellement usé que je pouvais réciter mes lignes par ligne. Ouais, tout ce qu'ils disaient. Mais c'est si vieux que ça, Lilo et Stitch. Bah quand même. Cassette. Ouais. Moi je l'ai regardé il y a pas longtemps ce dessin animé, je l'avais jamais vu avant. C'est celle que t'avais le plus regardé? Chichir. Il est doux là. C'est touche. Ah oui. Donc, moi c'est pas un dessin animé je crois. Parce que... de réfléchir, mais je crois pas. Non, je pense vraiment que le film que j'ai le plus vu, c'est Mary Poppins en fait. Ah. Et je pense que ça bat tous les dessins animés que j'ai pu regarder plein de fois. Mais je l'ai usé pareil, cette cassette. Et mes parents n'ont jamais compris parce que c'est quand même. Enfin, j'étais petite quoi. Et Mary Poppins, c'est pas non plus super accessible. C'est sympa, elle saute dans des dessins et tout, mais c'est pas que ça non plus quoi. Il y a une histoire de banque et tout, enfin voilà. De révolution. Oui, non, mais c'est. Voilà. Mais j'ai toujours adoré. Et d'ailleurs, je comprenais rien, mais j'adorais. Mais je pense que c'est pour ça que je le regardais en boucle parce qu'il paraît que quand des enfants regardent en boucle, c'est qu'ils sont pas assimilés et qu'ils continuent. Donc je pense que tu n'avais pas assimilé. Pourquoi il entend de bras? Je ne comprends pas, je vais regarder encore une fois. C'est la dernière? Bah oui. C'est déjà la dernière. Oui. Quelle est ta chanson Disney favorite? Vas-y, réponds à ta question. Mais je sais pas. C'est pas? Partir. Je rigole. J'ai cru que t'allais me faire partir un jour. Et là j'ai mis très très tard. Faut que je réfléchisse. Attends. Et ben moi je pense que c'est Ce rêve bleu. J'adore cette chanson et je la connaissais par cœur. Et c'est trop beau. Et ouais, je pense que c'est ça. Moi je sais pas hein. Mais il y en a plein, elles sont trop belles. On peut la faire, on peut la faire, on peut. C'est quoi cool. La chanson des souris dans Cendrillon. Ah, oh là là, j'avais pas reconnu. Non mais on se demande bien pourquoi. Oh, ma chanson Disney préférée, franchement, je sais pas. Bah c'est sûrement une chanson Disney. Il y en a une, oui. Il y en a une que j'aime trop. Je crois que c'est dans le deuxième Roi Lion. Je suis pas sûre. Toi et moi, nous sommes un. C'est ça la chanson. Toi et moi, nous sommes un. Alors en me chantant le titre. Ça va pas m'aider. Mais il va chanter. Oui. Na 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 na. Faut pas avoir peur d'envoyer du poussillon, c'est pour ça. Oh non, Roquefort aussi, ça serait un trop bon ami. Ouais, c'est vrai. Oh, oh ouais, Roquefort c'est l'ami parfait, trop mignon. Et puis toujours un gâteau sur lui. C'est pas négligeable. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, on a répondu à toutes les petites questions. Oui. À toutes les petites si, si. Questions, oui c'était correct. Parce que maintenant que je c'est sais correct. Que vous allez regarder les vidéos. Coucou les élèves. Voilà, Madame Fournier. On vous l'avait promis, c'est fait, vous êtes passé dans la vidéo. Oui alors là non par contre. On va pas être copains là. Je veux bien un petit coup de marteau par-ci par-là mais là la personne. On vous retrouve très vite. On vous retrouve très vite. Pour on vous laisse avec la deuxième partie de la vidéo qui est sur la chaîne d'Emily, donc on vous mettra tout en barre d'infos comme d'habitude. Il s'agit d'un YouTube tag, ouais, avec qui des n'existe questions. Pas vraiment, apparemment. Voilà, qui a été plus ou moins recréé par. Ouais. Ah, je peux te dire moi. Mais je sais. Pourquoi Chichir c'est les gâteaux. Bon, il est temps que cette vidéo s'arrête. Donc on vous met tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ce Disney tag vous a plu. Et en attendant de vous retrouver le mois prochain, on vous fait plein de gros bisous. Et abonnez-vous à la chaîne des fleurs. Voilà. On a mis les oreilles. Les oreilles de Minnie. Et...
En revanche, reprends. Si tu pouvais